Voilà, premier jour de fermentation. Voilà ce que vous devez observer. Pendant que ma bière elle fermente, je vais commencer à préparer mes canettes. Donc mes canettes, c'est des canettes de récupération, hein, c'est de la bière que j'ai consommée et que je recycle pour remettre ma bière. Donc j'ai fait un premier lavage où j'ai enlevé les étiquettes et je les ai rincées. Je fais un deuxième lavage où je vais les laver à l'écouvillon. Et il y aura une troisième étape, j'ai un produit à l'oxygène actif où je vais désinfecter les bouteilles. Toujours travailler avec du matériel propre. Voilà, ça fait une semaine que mon mélange est en train de fermenter. Il est temps pour nous de procéder à l'embouteillage. Il y a quelques étapes à faire avant, je vais vous expliquer tout ça en détail. Alors, c'est le jour d'embouteillage, donc je vais redésinfecter mes bouteilles que j'ai lavées au préalable. Donc pour ça, dans le kit que j'avais acheté débutant, j'ai ce produit qui est à l'oxygène actif, à diluer dans de l'eau, et je vais rincer chaque bouteille avec ce produit. Je dilue mon produit dans de l'eau chaude. L'importance d'utiliser ce genre de produit, c'est que quand vous faites de la bière, plus votre matériel sera propre, mieux ce sera à l'arrivée. Le but du jeu est pas d'incorporer de bactéries autres à votre bière. Donc travaillez toujours avec un matériel ultra propre. Alors je m'apprête à faire bouillir de l'eau pour diluer mon sucre. Une fois mon matériel nettoyé, je remonte le seau de la cave. Et je vais procéder au soutirage. Alors bien sûr, tout mon matériel a été désinfecté et je vais utiliser un seau gradué afin de savoir le litrage de bière que je vais obtenir. Ce litrage, en fait, je vais l'utiliser pour ajouter du sucre à l'embouteillage afin de redonner du gaz à ma bière. Mais avant tout ça, on va reprendre une mesure de densité et on va calculer notre alcool. Comme vous pouvez le voir, le mélange s'est blondi. Avec le temps, ça a commencé à s'éclaircir. Ne vous inquiétez pas si c'est encore trouble. Après l'embouteillage, ça va encore s'éclaircir. Donc, on va prendre tout de suite la densité. Donc, pour ça, je rajoute le flotteur. Alors, ces flotteurs-là sont calibrés pour 20 degrés. Hop. Alors, j'aimerais bien qu'il se tourne du bon côté, qu'on puisse le voir. Voilà, on est parti sur une densité d'un 70, 1,070, excusez-moi, pour terminer sur une densité de 1,030. Je vous montre tout de suite comment on calcule le taux d'alcool. Alors, on se retrouve sur le site que je vous ai mis dans l'épisode 1 pour calculer le taux d'alcool. Donc, il se présente comme ça. Donc, on va être ici à 1,070. On va prendre une valeur d'1,030. Donc densité de départ, densité finale. L'embouteillage, on va mettre 8 grammes et on va faire le calcul. Donc là, vous avez l'estimation. Donc votre bière aura probablement 5,68% d'alcool à la fin. Donc là, je vais procéder au soutirage. Qu'est-ce que le soutirage? Après votre fermentation, donc toute la levure et tout ce qui est déchet va se retrouver dans le fond du seau. Et ces éléments, on ne veut pas les retrouver dans votre bière. Donc voilà comment ça se présente. Alors ne vous inquiétez pas, l'aspect est tout à fait normal à ce stade. Donc je vais ouvrir le robinet et on va laisser couler. Si vous voyez bien, le robinet n'est pas totalement en bas. Et cet espace va permettre de garder tous les éléments indésirables dans le fond du seau. On commence à apercevoir dans le fond du seau les éléments indésirables, les levures mortes et le dépôt.
Tout ça, bien sûr, hein, c'est indésirable dans les bouteilles. Voilà, il nous reste que le dépôt. Donc ce dépôt-là, je vais le jeter. Je vais nettoyer et désinfecter mon seau. Et on va remettre notre bière dans le seau. Alors, le sucre. On va rajouter à notre préparation 8 grammes au litre. Pour la recette, ils me disent 7 grammes. Mais 7 grammes, je trouvais ça un peu insuffisant. Donc j'ai réajusté. Et pour moi, je vais rajouter 8 grammes de sucre au litre. Ce sucre, je vais le diluer avec l'eau que j'ai fait bouillir précédemment. Alors, on va le diluer. Voilà. Et on va le mélanger. Bien sûr, vous n'allez pas rajouter cette préparation alors que c'est encore bouillant. Laissez-la refroidir un petit peu, sinon vous allez tuer les levures. On va ajouter le sucre. Voilà. Et on va remélanger la préparation. Bien sûr, entre-temps, j'ai rincé le seau et j'ai entièrement désinfecté. Quand vous désinfectez et vous rincez votre seau, n'oubliez jamais de désinfecter le robinet. C'est un élément susceptible d'être oublié, mais qui a son importance. Voilà, on va bien mélanger afin que le sucre soit bien dilué et on se retrouve pour l'embouteillage. Alors, avant d'embouteiller, on va faire un petit point sur le matériel. Donc moi, j'utilise des canettes de récupération. Pourquoi j'utilise ça? Car je suis équipé avec la pince qui sert à sertir les petites capsules sur les canettes. Si vous n'êtes pas équipé avec ça, il existe ce genre de bouteilles dans le commerce qui font très bien l'affaire avec le joint orange. Voilà. Ensuite, les capsules. Comme tout, je vais les désinfecter dans mon produit à l'oxygène actif. Et on va pouvoir procéder à l'embouteillage. C'est parti. Alors, je la mets en biais, hein. Faites bien couler en biais pour ne pas faire de mousse. Ce sera plus simple. Faut que ça coule sur le bord. Et voilà, la première est faite. Et on continue. Voilà, la deuxième. Et on se retrouve une fois que tout est fait. Allez, on va mettre les capsules. Donc il y a un aimant. J'aimante ma capsule dessus. Je prends une de mes bouteilles précédentes. Je vise le milieu. Et je procède au serrage. Et là, votre canette est prête. Voilà. Donc là, maintenant, mes canettes sont prêtes. Ces canettes-là vont encore avoir besoin d'une semaine dans un endroit frais. Vous allez les placer dans un endroit frais, à l'abri de la lumière. Un placard peut faire l'affaire. Moi, je vais les mettre à la cave. Pendant cette semaine, la levure va sédimenter et va se déposer au fond, les restants de levure, et le sucre que vous aviez rajouté au préalable va redonner du gaz à votre bière. On va se retrouver dans une semaine pour la meilleure étape, c'est-à-dire la dégustation. En attendant, je vous dis à bientôt. Au revoir.